Bonjour. Very nice to meet you. Likewise. We did. It's very good. I don't know. Okay. Merci. Nous avons échangé ce matin aussi sur la situation en Ukraine, je n'y reviens pas, et sur la nécessité de soutenir ce pays dans la durée. Nous devons bien sûr nous situer dans la perspective qui est celle du G7, as long as it takes, avec un soutien politique, diplomatique, économique, financier, humanitaire, mais aussi militaire. Nous en avons parlé. Nous avons Je ne peux pas manquer de citer le fait que nous avons évoqué la situation au Sahel et singulièrement au Mali, situation difficile qui requiert une réponse européenne. Notre coordination est très bonne, elle reste nécessaire pour assurer la stabilité et la stabilisation de cette région qui est face à de nombreux défis. Donc, chère Catherine, permettez-moi de vous remercier pour votre accueil chaleureux, notre entretien. En tant que partenaires au sein de l'Union européenne et de l'OTAN, nos deux pays continueront de s'accorder sur le soutien à l'Ukraine. Notre coopération en la matière est très concrète. Les Pays-Bas contribuent ainsi avec 200 militaires au groupement tactique de l'OTAN en Roumanie, dirigé par la France. Nous sommes persuadés qu'une Union européenne et une OTAN forte sont nécessaires à la défense de notre liberté, de notre sécurité et de notre prospérité. Merci.